Je suis venu faire une petite vidéo spéciale pétage de bretelles en swing joke. C'est une autre vidéo de motivation. Dans le fond, là, c'est important de se fixer des buts et de les atteindre. Puis, ça n'a pas besoin d'être des gros buts. Moi, là, en ce moment, je considère que j'ai réussi ma vie, même si je travaille genre dans un entrepôt, que je fais juste des milliers de vues avec mes raps. Je considère qu'en ce moment, pour l'instant, j'ai réussi ma vie. Parce que quand j'étais petit, là, moi, là, j'ai tout le temps voulu parler en anglais. J'écoutais X-Men là, en anglais, puis je comprenais fuck all. Puis je me disais, plus tard, moi, là, je vais être capable de parler en anglais puis de comprendre. Puis là, regardez, aujourd'hui, moi, quand je suis dans mon entrepôt, là, c'est soit en français ou en anglais. Puis il y a beaucoup d'immigrants, fait que je parle beaucoup plus en anglais qu'en français, je te dirais. Puis maintenant, là, tu sais que des fois, même, il y a du monde qui parle français, je leur parle en anglais. Puis je dis, ah, c'est vrai, toi, tu parles français. Puis j'ai rendu à ce point-là, OK, oui, je fais encore des fautes. Mais je m'en rends compte après l'avoir dit que j'ai fait une faute. Mais ça, c'est pas important. C'est un comme un rêve qui a été réalisé. Puis c'est un petit rêve, là. Un petit rêve d'enfant. Puis quand j'étais enfant, aussi, je voulais aller vivre à Montréal. C'est pas grand-chose. C'est pas comme aller à l'autre bout du monde, là, partir de Québec pour aller vivre à Montréal. Mais je l'ai réalisé, puis je suis content. Puis une affaire de big que j'ai faite, par contre, c'est que quand j'avais 15-16 ans, j'écoutais du rap, puis je me disais, j'aimerais ça faire ça. Puis ça m'a pris 10 ans à être bon, OK? Le monde riait de moi au début, puis avec raison, comme je l'ai déjà dit, j'étais pourri. Ça m'a pris 10 ans avant d'être bon dans le rap. Mais ça, c'est big, ça, là. Parce que, tu sais, il y a plein de monde, là, qui regarde, je sais pas moi, des guitaristes, dépendamment de quelle sorte de musique que tu écoutes, que tu te dis, ah ouais, moi j'aimerais ça être un bon guitariste, j'aimerais ça être un bon chanteur ou un bon rappeur. Tu sais, c'est hot, un rappeur, là. Mais il faut des efforts pour être bon là-dedans. Puis là, moi, j'ai réussi, OK, à être bon dans quoi qu'il y a du monde qui vont passer leur vie à faire ça, puis ils le seront jamais. Fait que c'est vraiment big. Fait que c'est une autre vidéo de motivation. Suivez vos rêves, OK? Suivez votre intuition. Puis faites ce que vous voulez, puis écoutez pas les autres. À part si c'est des critiques constructives.